Jenny Alibiro, bonjour. Bonjour. Le parti, le MMM, est à célébrer la Journée internationale des femmes le 10 mars 2019 à Rosil. Es-tu capable de dire nous un petit peu plus le thème qui va oratrice pour développer au cours de sa journée-là? Donc, déjà, nous avons plusieurs madames qui vous prennent la parole ce jour-là et aussi le leader. Comme on connaît, la Journée internationale des femmes est dédiée à la femme. Donc, qui priorité, ben, madame? Qui ban quitteuse qui concerne, ben, madame? Qui ban fléau qui puis attaque, ben, madame? Donc, nous avons beaucoup ban quitteuse, beaucoup ban messages à passer à ben, madame. Et ce jour-là, chaque oratrice vous cause un thème spécifique. Le thème spécifique qui concerne Ban Madame, comme vous le connaissez, aujourd'hui, Ban Madame peut faire face à beaucoup de problèmes. Problèmes sociaux, problèmes la santé, problèmes l'éducation, problèmes d'emploi. Donc, tout ça là, nous ayons un message spécifique pour apporter à Ban Madame et aussi nous pour prendre Ban résolution, nous pour propose donc Ban solution à un problème qui va madame peut faire face. Autre chose aussi, donc, qui va l'air par madame et non dans la société, qui a l'importance dans la société mauricienne. Tout cela peut être abordé pendant la journée. Jenny, vous pensez qu'il y a une grosse organisation derrière ce travail pour le 10 mars là? Certainement. Donc, depuis plus d'un mois, les féminines peuvent travailler l'organisation. Et il y a tout un gros travail derrière, et surtout avec soutien de mes camarades, mon bureau politique, mes camarades dans chaque régional, nous tous travaillons comme un accord, nous tous travaillons vers un seul but. Donc, mobilise le maximum madame pour sa journée-là. Fais un message passé. Et qui, à ce moment-là, nous capables de nous porter ce message-là avec ma madame dans l'île Maurice. L'organisation derrière, il vient commencer depuis bien longtemps. Il vient commencer donc par rapport à nous, les féminines, qui t'aiment le poids abordé, travaillent le nous t'aime, travaillent le mobilisation, travaillent aussi le déroulement. Donc, nous avons besoin à ce moment, afin qu'ils nous capables de faire un sage jour et la vie, une réussite et un succès. Comment nous ne besoin pas oublier, peut-être cette dernière journée internationale des femmes avant les élections générales. Donc, il est très important qu'il nous touche maximum, madame, qu'il nous fait une grande mobilisation. Et ça, ce travail-là, il n'est pas juste l'OL féminine. Ce travail-là, il dépend de chaque circonscription, chaque régional et chaque camarade qui est troublé d'un poste de responsabilité. Et je ne peux pas dire qu'il y a un régional qui travaille pour mobiliser, ben, madame. Nous finissons commencer par porter ce matraque, pour faire une mobilisation dans une région principale, dans une région spécifique. Et là, nous restons la ligne droite avant le 10 mars et nous pouvons doubler l'effectif et nous pouvons doubler notre travail. Donc, nous avons aussi, côté là, nous pouvons placer une banderole et nous avons une réunion qui peut faire côté là, donc dans une régionale, dans une place spécifique, côté là, nous pouvons toucher, afin qu'ils nous capables de faire le maximum pour mobiliser madame pour le 10 mars. Jenny, es-tu capable de nous un aperçu comment la journée du 10 mars pour passer? Donc, nous travaillons loin déroulé. Et moi, je pensais que tout bonne madame qui est présent, donc, je pourrais sortir avec beaucoup d'informations et je pourrais satisfaire de la journée. Parce qu'il nous fait mettre en place un déroulé, nous fait faire une balance. Donc, côté là, nous prenons une partie culturelle et ensuite, nous prenons un discours de bonne camarade femme, de ma représentante donc du MMM et aussi du LEAD. Nous pouvons commencer donc avec la première volée qui est pour l'ON Parti culturel et là nous pouvons interpréter, donc nous avons deux personnes qui peuvent interpréter deux chants. Donc le premier c'est par nos camarades Jasmine Toulouse qui peut interpréter ce propre chanté qui cause l'eau, ben, madame, spécifiquement l'eau femme. Donc le titre de cette chanson c'est Lever femme. Et deuxième, nous prenons un camarade, donc Aditya Meudé, qui pour chante Imagine en plusieurs versions. Donc, côté là, lit plus le mauricianisme et l'oban femme qui a un rêve, qui est capable vraiment de
faire que ce rêve vienne une réalité. Et ensuite, nous prenons une deuxième séance, c'est là l'ouverture, un discours de nos 6 intervenants et ensuite du lead. En 2019, quel message vous avez pour la femme mauricienne? Alors, message qui m'a aidé pour madame en 2019, c'est qu'il m'a envie de dire qu'il n'est pas seulement un slogan. Aujourd'hui, nous, madame, dans MMM, nous pouvons militer pour une nouvelle île Maurice. Une nouvelle île Maurice que la madame capable de croire dans un potentiel, capable d'être une plateforme que la madame capable évoluer, capable de reconnaître bonne valeur, bonne femme mauricienne. Et certainement, nous, bonne femme mauricienne, nous avons capacité et nous avons bonne valeur, nous avons potentiel. Donc, croire dans ce potentiel, croire dans cette valeur et croire dans une nouvelle l'île Maurice.